Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 12e épisode de mon Let's Play sur le jeu Mountain Blade Warband, saison 3. Et donc je vous avais essayé la dernière fois, on avait récupéré le château de Thibaut en équipe, après avoir galéré comme un abruti pendant 20 plombes. Donc voilà, on a récupéré le château de Thibaut, ce qui est pas mal. Donc on est toujours, si je me souviens bien, ça fait un bout de temps que j'ai pas joué. Oui, c'est ça, on est toujours contre le Royaume des Nords, encore, On est en conflit avec le Royaume des Nords. Le truc, c'est que le Royaume des Nords, voilà, ils ont quand même encore quelques châteaux chez nous. Il faudrait les virer de là. Avant qu'on s'occupe du reste. Le truc, ce qu'on va faire, on va suivre un petit peu l'armée. En espérant qu'elle se disperse pas trop. Talbar, contre Talbar, t'es où? Contre Talbar, t'es là. Je vais suivre. On va les suivre, hein. On va garder la quête en attendant. Peut-être qu'ils vont. Peut-être qu'ils vont faire quelque chose. Attendez. Ouais, c'est bon. J'ai pas l'impression qu'ils font quelque chose, mais bon. On va quand même les suivre un petit peu. Ah ah, je crois qu'on se rapproche du château Gelbeggy. On va peut-être s'y attaquer, du coup. On va peut-être s'y attaquer. Non? Oui? Ah, si, si, si. Je m'en fiche, je veux pas te parler avec toi. Bon, 10 000 de fric, c'est nickel. Voilà. Comte Talbar, t'as une tâche. Pistache. Oh oh. Non, le bétail, je veux pas. Hein. Le bétail, tu vas te faire. Voilà. Parce que le bétail, c'est non. Encore une tâche. Je suppose que c'est. Non, pas contre la rengaine. Je m'en fiche de toi. Où est le comte Talbar? Talbar. Oh la galère. Oh la galère. Comte Talbar. Ah oui, mais non, je vais attaquer avec vous, hein, j'ai pas envie de. Je vais choper le château. Ah là. Ok. Rejoins le prochain assaut, c'est parti. Je sais pas, on a un avantage de combien de 10? Bon, de. Oh, c'est un château que j'avais encore jamais fait. C'est cool. J'ai combien d'unités à moi? 9? Ah ouais. Pas trop simple. Aïe. Ah non, mais c'est vrai que j'ai oublié ça. Petit boubou. Sinon, on va finir par crever tout de suite. Poussez-vous, je vais pouvoir monter. Et me poussez pas, par contre. Mais sérieusement, il y a une personne devant moi, j'ai un bouclier, j'arrive à me prendre des points de dégâts. Trop fort. Alors, poussez-vous. Je veux pouvoir passer. S'il vous plaît. Non, non, non. Ah non. Mais sérieusement, qu'est-ce qui s'est passé? Mais oh, what the fuck? Ils ont cramé ce jeu, c'est n'importe quoi les combats. Non mais c'est bon, c'est pas obligé de. Voilà. Poussez-vous. Soyez gentil. Laissez-moi passer. Alors est-ce qu'on peut descendre par ici? Oui. Comment ça? Vous avez toujours pas géré le. Voilà. Non, je vais pas me replier, c'est pas ça que je voulais faire. Parce que c'est pas comme si on avait. J'avais encore touché personne. Voilà. Voilà, c'est mieux. Oula. On va peut-être reculer. Ok. Ah, ils sont pas très bien équipés là. On les défonce un peu. Hop. Ouf. Idéal, ce serait aussi de péter un petit peu les archers. Oula. Par contre, il faut pas qu'il me pop dessus non plus.
S'il me pop dessus, c'est douloureux. Je suis un génie du combat. Ouh, aïe. Toc. Voilà. Il doit rester plus grand monde. Zéro mort schéma, j'ai 8 blessés, c'est cool. Bon, on en aura pété une centaine. Ça va. Et c'est la win. Bon, je suis un gros porc épique. Un truc de fou. Mort d'ailleurs. Un énorme porc épique. Ah, d'accord, il reste encore le château. Ah non, j'ai la main qui gratte. La main qui gratte au mauvais moment. Oula. C'est bon? Eh ben dis donc. Ça c'était... C'est une grosse charpente. Ok, le château récupéré c'est bien. Du coup on en a récupéré un. Je regarde un petit peu. Je vérifie qu'il nous pique pas des trucs. Ça a l'air d'aller. Bon, faut continuer à grappiller. L'idéal, ça serait quand même de prendre un ou, enfin, une ville, une grande ville ou deux. Ça serait vraiment bien. Genre, on récupère le château de Kdeblek et le château du Russe. Ensuite, on prend Tyr. Nickel. Alors, bah, du coup, par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on, ouais, bougez pas. Je veux chercher le comte Talbar. Comte Talbar, c'est toi. Je vais te suivre. Je vais déjà upper un petit peu mes unités. Bah, y a personne qui peut upper. De fou. Alors, on suit le comte Talbar. Gentiment. Et oh. Mec qui fait demi-tour tout de suite. Il refait demi-tour. N'importe quoi. Alors, il a une tâche à me confier, même si on est que deux. Bah je veux bien aller à la limite, s'il y a personne. Ah non, mais après il faut le retrouver le mec, donc laisse tomber. Non, non, je me barre pas parce que j'en ai marre de te paumer. C'est l'enfer, retrouver les gens dans ce jeu, c'est un enfer sans nom. Du coup, on va gentiment continuer à le suivre. Mais cassez-vous. J'ai envie de le péter, mais vraiment. Bon, il est parti. Bon, allez, je vais faire sa petite quête. Voilà, on va aller sur les villes qui se baladent par là. Ça me prendra pas longtemps. Et puis, de toute façon, j'ai l'impression que c'est toujours la même chose. Alors, attendez. Il y a gros de baston, là. Je vais essayer de les aider. Alors, 143 contre 36, voilà, comme ça on pètera vraiment des unités adverses. Tenez la position. Pas obligé de charger. Je vois ce qu'il y a en face. Ah, c'est essentiellement des unités à pied. Bon bah, j'ai envie de dire, allez-y. Faites-vous plaisir. Voilà. Non, 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 non. Voilà. Le mec qui se met devant moi, comme d'hab. Ah. La priorité à droite. Ça n'existait pas là. Ah, bah non, c'est vrai que c'était la priorité à gauche à cette époque-là. C'était la priorité à gauche. Oh non, j'arrive. J'arrive pas à les toucher. Les gens ils seront tués par tout le monde avant moi. Voilà. Il en reste 11. Tout le monde qui s'est pris le caillou. Il y avait un caillou qui dépassait sur la route. Tout le monde se l'est pris. Sur les routes du centre de la France. Oups, pardon, ça a taunt. Ça a taunt gentiment. Bim, c'était pas destiné pour toi, mais c'est pas grave. Il reste qui? 3 Pékin.
Ah, mais y a un cavalier! Ah ouais! Oups, peu de cheval. Ok. Oh, des petits prisonniers, ça, voilà, c'est toujours ça de pris. Hein. Ancien vétéran, arbalétrier vétéran. Voilà, voilà. Pas grand chose de plus. Mais c'est déjà bien. Alors. Voilà. Ah, un sergent Rodoc. Bon, j'en ai un pour l'instant. Mais c'est les sergents Rodoc. Et les sergents Rodoc, c'est fort. C'est très très fort. Vu comment ils nous ont pété la rondelle plusieurs fois. Alors, est-ce que j'ai visité... Voilà, explorer Iran... Enfin, machin errant, là. Explorer Tyr. Après, je crois que j'ai Rizy à explorer. Non, c'est quoi, là? Ambéane. Ambéane, Ambéane, c'est... Ah, d'accord, c'était là-bas. On y va. Voilà, ok, je l'ai faite. Maintenant, il faut retrouver le... Le comte Talbar, où est-ce que t'es? Près de Ribley, il y a un jour. Bon, allez, la galère. Maintenant, il faut retrouver le comte Talbar. Oh la vache. Pourquoi c'est toujours aussi compliqué de trouver des gens? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un à Escal que je pourrais... Non, il y a l'air d'avoir personne. Je peux toujours essayer. Il y a des dames. Est-ce que les dames, déjà, elles peuvent donner les emplacements des gens? Je me souviens plus. Ouh, j'ai failli mettre un kick. Comte Talbar, près du château d'Aringot. Ok, j'y vais. Château d'Aringot qui est... Qui est... Qui est... Qui est je sais pas où. Ah, là. Ah yes, il est assiégé. On va pouvoir le récupérer. Du coup, on va en profiter. Quête annulée. Mais j'ai quand même obtenu l'expérience. Pourquoi pas. Allez, on va les péter. On va leur péter les fions. Ah non, il va falloir attendre. Ah. Bon ben voilà, on va pouvoir attendre pendant que les gens y poussent. C'est cool. Allez. Bon, ça y est, on peut y aller. Ils sont quand même particulièrement nuls chez nous parce que on a perdu et voilà, près d'une trentaine d'unités. On... À cause de crétins qui se mettent sous les feux des arbalétriers ennemis. Ah, ils se mettaient bien en plus. Ah, ça va être la galère là, pour passer. Voilà, ça va être... Voilà la galère. Voilà. Oula. Alors, faut que je pète ce... Voilà, ce sergent Rodoc. Celui-là aussi. Bon, on va pouvoir commencer à faire quelque chose. Déjà, on va casser ces arbalétriers. Ah merde, y'a masse sergent qui arrive. Faut leur faire gaffe. Ok. Ils arrivent à rien là-bas? Je vais vérifier. Ah, c'est bon. Bon, maintenant il y a les sergents Rodoc qui vont faire un carnage. Oh la vache, mais ça a combien de PV un sergent Rodoc? Surtout qu'il saute au milieu, c'est n'importe quoi. Oula. J'arrive à rien. J'arrive à rien, j'arrive à rien.
Et je prends des coups de tiraillage là-bas. Oh, il n'y a pas assez de place sur ces remparts. Voilà. Tire d'où il tire de là-bas. J'ai envie d'aller chercher, mais je suis un peu loin. Allez, poussez-vous. Je vais pouvoir taper du sergent. Ah, ça me gratte. Le perturbant, c'est qu'il ressemble à mes unités, du coup. J'arrive pas trop à savoir sur quoi je dois taper. Alors là, il y a plein de danciers. Ah non, mais ça va bien deux secondes. Ok, on commence à faire quelque chose. En plus, oh, 67 blessés pour contre 69 morts chez eux, bah dis donc. J'ai cru qu'il était nain, lui. Oh la vache, on a galéré, hein. Les sergents, ils ont fait un massacre. Hein. Ils ont fait un massacre. Chez moi, j'ai eu 4 pertes pour 19 blessés, ça va, ici... Ouais. C'était autrement plus lourd. Bon, des unités sont prêtes à être promues. Ok. C'est cool, on a viré du bleu de chez nous. Il faudrait choper le château de Karat aussi maintenant. Ok, j'ai d'autres. J'ai plus rien à faire. C'est cool. Ce que je vous propose, c'est que on va aller panser nos blessures, aller acheter de la bouffe, parce que là on est vraiment à la ramasse. On est à la ramasse, faut que je recrute des volontaires. Ah, pas de provisions. Pas cool. 10 000 de fric. Ça, c'est bien. Ah non, pas Gondour. Tapez pas sur pas Gondour. J'ai besoin de pas Gondour. C'est quand même un... Oui, je sais. Votre village est attaqué, je sais. Mais je suis un peu loin. Oula. Ah, je vais avoir... Ah oh, putain, t'aurais pas pu l'attaquer. Bon, dommage. Acheter des provisions. J'aimerais tellement l'attaquer, le 600. Si je pouvais me... L'attaquer, ça serait trop cool. Non. J'ai pas envie d'avoir le château. Les châteaux, c'est chiant, parce qu'il faut poser des unités. Ils voulaient me filer le château, mais le château, bof. Château, c'est pas cool. Bon, dans tout ça, je vois pas trop comment je pourrais attaquer autrement, parce que tout seul, pour l'instant, c'est un peu la galère. J'ai l'impression que j'ai pas assez de force de frappe. Combien j'ai d'unités? 113 sur 126. Faut que je fasse des sergents parce que les sergents c'est puissant. Firentis, tu sers à quelque chose, Firentis? Non, tu sers à rien. Du coup, bah. Peut-être un petit peu en force. Voilà. Ce qu'il faudrait. On va peut-être passer du côté du château de Karad, voir si on peut pas s'en. S'en démerder. Ok. Alors. Pas tous les ennemis repérés près de Pagundour. Laissez Pagundour tranquille.
Ça se bat? Voilà. 160 plus 11. Ouais, 160, c'est quand même beaucoup. Hein. J'ai l'impression que j'aurais peut-être un peu de mal. Il y a une bataille ici. Comte Garlus qui a 200 Pékin. Oh là là. Peut toujours essayer au pire. Hein. Au pire, au pire. Ah, mais j'ai pas l'impression d'avoir assez d'unités. D'avoir assez d'unités surpuissantes. Il me faut plus de lanciers entraînés, j'en ai combien? Lanciers vétérans, j'en ai 16. Donc bientôt j'aurai un paquet de sergents, ce qui sera cool. Ce qu'on va faire. Déjà, acheter de la bouffe. Priorité. Un peu de la bouffe différente. Ensuite, taverne. Je vais faire un petit coup parce que là j'ai vu que le moral était assez bas. Ah non, c'est les relations avec Charize. D'accord. Tiens, un rançonneur. Prisonnier à vendre. C'est toujours cool. Non. Ah, voilà. Rapport. Moral du groupe. Rapport sur le moral du groupe. Ouais, le problème, c'est la taille du groupe qui est juste énorme. Ah oui, j'ai des troupes du Royaume des Nords. Ouais, c'est pas génial. C'est pas le GG. Bon. Peut toujours essayer, hein. Je vais peut-être plutôt aller là-bas, sur l'autre château, voir s'il est pas plus simple. Et puis de toute façon, on sera plus du côté de chez nous, avec Almar qui est juste à côté. Alors, il est pas plus simple. Pas vraiment, il y a 4 unités de plus. Ah, je me tâte. Ça fait combien de temps? 26 minutes que j'enregistre. Ah, c'est une tour de siège. Ah ouais, mais la galère aussi. Tour de siège. Ouais, ça m'embête un peu d'avoir fait une tour de siège. C'est pas pratique, ça prend du temps. C'est long, on perd plein de gens pour rien. Et du coup, là, je suis un peu indécis. Qu'est-ce que je peux bien faire? Ah la vache. Soit je le fais, soit je le fais pas. Bon allez, vous savez quoi? On va le faire. On va construire la couture de siège. On va bien voir ce que ça va donner. De toute façon, au pire, on se barre et on refait des unités, comme d'hab. Ah oui, mais s'il dévaste Pagundo en même temps, je vais pas aimer. Est-ce que vous pouvez virer les gens de Pagundo? J'ai l'impression que c'est fait. Allez, on va voir. Hein. Bon bah allons-y. Hein. Oh la vache. J'ai dit tenez cette position, pas vous faites canarder de loin. Ok. Ok, c'est... Oh la vache, ça va être long. Ça va être très 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 long. Bon, bah je vais espérer que tout le monde ne meure pas avant que l'assaut ait commencé, et puis on verra bien. Allez, après ce qui m'a semblé être une éternité, on va pouvoir attaquer. Donc 7 perdus contre 6 de leur côté. Bon. C'est pas horrible, mais c'est pas génial non plus. Oh la vache!
Je mets le pied dehors et je me fais défoncer. Allez, on va voir. En espérant que c'est un peu moins fort. Je crois que leur atout principal, c'est énormément l'archerie. Alors, par contre, il va falloir passer. Comment ça, j'ai pris des dégâts? Alors, je vais chercher l'archerie pour leur péter le fion. Comment on fait pour aller voir ceux là-bas? Je vais descendre, voir si on peut pas monter dans la tour. On fait comment pour aller chercher eux? Ah, il faut passer par les remparts, tout ça. Oula! Oh la vache! Oh le massacre que je t'ai fait là! Aïe, là par contre ils sont. C'est moins des unités d'archerie que des unités de combat au corps à corps. Voilà, c'est mieux. Voilà. Je vais t'aider. Raté. J'ai voulu faire un gros coup à la ninja, mais j'y suis pas arrivé. Oula. Arrêtez de tirer sur les gens. Oula, oula, oula. C'était pas sympa, ça. Oula, voilà. Oula, oula. J'aurais besoin d'aide, j'aurais besoin d'aide. Et pourquoi ils sont où les gens avec moi? Oula. Vache. J'ai 32 persos, mais ils sont où? D'accord. Il m'a tourné autour. Ah, attendez, parce qu'il faut que je m'écarte un peu. 109. 109 plus 13, donc on a passé la moitié large. Il me reste une soixantaine de persos à buter. Dans la joie et la bonne humeur, évidemment. Raté. Ils sont costauds, hein. Ils sont assez costauds. Je peux pas les one shot la plupart du temps. Alors. En plus, j'arrive pas à les repérer vu qu'on a aussi des unités. 22 morts, oh la vache. Non, je vais pas me replier maintenant, ça serait débile. Ok. 22 morts pour 40 blessés. Par contre, moi j'ai fait un massacre en face. Ce qui est cool, parce que du coup on a récupéré le petit château. Alors, qu'est-ce que je peux récupérer qui est plutôt pas mal? Bof, y'a rien.
Il n'y a rien comme super unité. On va laisser tout ça là. Pareil pour les trucs. Hein. De toute façon, j'ai tellement de thunes. Pas de récompense parce que c'est les châteaux et ça sert à... C'est une horreur. Ok. L'ancien vétéran, j'en ai perdu pas mal, je crois, du coup. On va augmenter les unités. Ah, cette charge en redoc. Ça commence à faire bien plaise. Voilà. Bon, je m'embête pas trop. Un petit peu d'herbaïtrier quand même. Donc on a perdu pas mal d'unités, il va falloir les refaire. Toi tu sers à rien si je me souviens bien. Hop, je te monte en athlétisme. Donc tu sers à rien, tu te fais défoncer à chaque fois. Bim! Plus que du bleu ici et là. Et on aura bien attaqué le bleu. Ce qui est cool, ce qui est très très cool. Et du coup, je vois mon chrono. Ouais, il est largement temps d'arrêter l'épisode. Parce que sinon, ça va me faire trop long à faire. Et pour vous à regarder, ça va être assez long. On va arrêter l'épisode. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. C'est sans doute l'avant-dernier épisode. Je pense m'arrêter autour de... Je pense au 14e épisode, tout simplement parce que... Étant donné que je sors une vidéo tous les 4 jours maintenant, ça fait environ 7 vidéos par mois, donc ça fait 2 mois la saison, je trouve ça nickel. C'est suffisant, je pense qu'on s'arrêtera pour la saison 3 au niveau du 14e épisode. Ça, on engagera ensuite un nouveau let's play, bien sûr, et on reprendra plus tard cette fin de campagne sur le jeu Marvel's Ultimate Warband. Tout ça, tout ça, tout ça, voilà. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné, et puis à dans 4 jours pour la suite de cette aventure. Allez, salut tout le monde, portez-vous bien!